Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bail, voilà, je ne suis pas mort. J'avais perdu la motivation, tout simplement. Et aujourd'hui, on va se retrouver, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour la présentation d'un serveur. Et j'ai mis les shaders parce que c'est classe. Et ouais, ça rend vachement bien les shaders, là, d'où je suis, c'est super classe. Et donc, en fait, c'est un serveur free. Ouh, c'est horrible, par contre, en intérieur. On va vite aller à l'extérieur. C'est un serveur en fait, comment dire, un serveur free build. Là je vais vous donner quelques conseils dès que vous allez arriver dans le serve pour commencer. Et donc c'est un serveur free build où vous pouvez faire ce que vous voulez dans une map. Le grief, voilà, on a des outils de rollback, donc on a logblock qui nous permet de... Ouh là là, j'ai des petits rollbacks. On a logblock qui nous permet de rollback les griefs, donc les griefs, donc faut pas avoir peur des griefs, on les anéantit. Je vais aller à l'arène parce que c'est un nouveau projet ça. Là c'est la capitale que vous avez pu apercevoir tout à l'heure au début. Et là on est en train de développer un petit village olympique qu'on a quand même bien avancé en un peu plus d'une semaine. Donc voilà, on a l'arène qui à l'intérieur ressemble à... Ah oui, ça doit être horrible à l'intérieur vu qu'il y a beaucoup de lampes. Ouais, c'est horrible. À l'intérieur c'est comme un supermarché, voilà, dévasté. Donc là un gros trou dans le ciel avec voilà, les arches qui se sont fait plier par l'explosion, machin. Après, du coup j'ai commencé, donc là on a mis quelques maisons à vendre, voilà. Voilà, je... D'ailleurs, ils sont en train de bosser sur le Hello Skywen. On est en train de bosser sur la place de l'Amérique. Je n'aimais pas trop, du coup, je leur ai demandé de changer un peu. Là, je suis plutôt content. J'aime bien le style des maisons. C'est tout le temps le même style, mais ça varie sur les formes. Et j'aime bien. Je trouve ça plutôt classe, les trucs comme ça en extérieur. Et voilà, sur ce serveur je peux entrer dans tous les coffres et je peux voler, je suis en game mode parce que je suis technicien, je suis passé technicien l'autre fois. Du coup ça me fait énormément plaisir, je remercie voilà le Minescrap pour m'avoir fait confiance. Et du coup je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire dès que vous allez entrer dans le serve pour la première fois. Pas de ressources pack, je vais juste enlever les shaders. Tac. Allez, quand tu veux, voilà. Donc dès que vous allez arriver la première fois, en fait il y a un système de grade qui a été fait par un de nos anciens techniciens, puisque maintenant il s'occupe plus du serveur Minecraft, c'est le chapé, voilà. Et du coup dès qu'on arrive on est vagabond, oui vagabond, et on passe comment on s'appelle après, on passe apprenti au bout de 4 heures de jeu. Donc dès que vous êtes vagabond, dès que vous allez faire slash spawn, vous voyez, moi si je fais slash spawn, j'apparais ici. Dès que vous êtes vagabond, dès que vous faites slash spawn, vous apparaissez tout le temps ici. Là, vous avez toutes les règles, donc lisez-les bien, parce que voilà, il y a certains trucs, les gens, ils ont pas lu les règles, ils font se tête baisser en farm, ils construisent leur maison là-bas, hein, ce qui n'est pas du tout prévu. Après, vous allez avoir un petit wagon entrée avec direction spawn, tac, vous rentrez dedans, c'est tout simple. Et après, vous allez juste devoir avancer comme ceci. Tac. Et vous allez arriver au spawn dès que vous allez être apprenti et tous les grades d'après. Dès qu'on fait slash spawn, on arrive ici. Je vous conseille, qu'est-ce que vous faites dès que vous arrivez là, c'est que vous allez en free build. Oui, je me dirigeais vers la farm. Mais vous allez en free build et vous allez vous établir un endroit où vous mettre. Parce que vu que la farm... Étant donné qu'il y a les resets très régulièrement, si vous laissez vos coffres là-bas et que vous faites un mini-camp et que vous êtes absent par exemple pendant une semaine et que pendant ces une semaine, on trouve vos coffres et on ne peut pas vous demander de les déplacer, du coup on est obligé de reset avec vos coffres dedans et du coup vous perdez tout, vos diamants, machin.
Et du coup, c'est dommage. Donc, moi, je vous conseille, dès le début, vous allez chercher une maison, là. Par exemple, tu te mets sur les arbres, tu poses trois coffres, tu mets ton 7 ohms. Donc, oui, il y a les 7 ohms. Et vous, en vagabond, c'est 1 ohm. En apprenti, c'est 3 ohms. Citadin, c'est 6 ohms. Aventurier, ça doit être sûrement 3 de plus. Et ainsi de suite. Et moi, j'en ai infini. Voilà. Et du coup, bah... Du coup, je vous conseille de faire une maison. Après, vous avez juste à refaire slash spawn. Devenir... Oui, je vais mettre 80 à changer de monde. Devenir ici, parce que oui, vous allez réapparaître là-bas. D'aller dans votre farm. Tac. Et de commencer à miner, de récupérer les ressources. Et d'ailleurs, oui, ils ont changé la map farm. J'avais pas vu. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc Elytra. Ah, mais faites-moi descendre. Et du coup, voilà, il y a une map farm qui reset, voilà, bah, comme je vous l'ai dit, hein, avant c'était un mezza plateau, et maintenant, tac, c'est un désert, donc imaginez quelqu'un qui a laissé son stuff, bah, il a tout perdu, il a tout perdu, et c'est dommage. Et du coup, attendez, je fais juste un petit truc, ouais. Et du coup, bah, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez récolter, en général, si vous passez 4 heures à récolter, voilà, vous passez votre grade apprenti, vous aurez 3 homes. Et voilà, vous pouvez faire comme ça. Donc dès que vous commencez sur le serf, c'est vraiment tu vas en free build. Donc où est-ce donc la free build, je rappelle, il n'y a pas de truc pour claim, de trucs comme ça. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de truc pour claim. C'est vraiment on construit, on veut, si on veut construire à 10 blocs d'une autre maison, ben, on construit à 10 blocs. Par contre, faut quand même lui demander pour éviter que ça la gêne. Et voilà. Dans le serveur, on a aussi des villes. Donc le village olympique va aussi en faire partie après. D'ailleurs, l'arène PVP est dans le village olympique. Mais voilà. Donc on a des villes. Pour l'instant, on a Rem qui a été reprise. Naon qui est très active. Donc avec Bin numéro 1 et Skywen. Bon, il n'y a que Skywen qui est co. On a le dé à coudre. On a l'arène PVP avec un petit truc à gagner ici pour le prochain event. On a un autre serveur où on met des maps. Bah d'ailleurs, j'ai pu tester ma map. Vous savez, la map que je vous ai fait une présentation, j'ai pu la tester. Et j'ai pu remarquer quelques petits bugs. Du coup, bah, c'est cool, j'ai pu les régler. Et du coup, c'est bien. On a des promos. Donc, les promos, c'est pas qu'on peut acheter moins cher. Donc là, je sais pas pourquoi c'est la brique rouge. Il n'y a pas de panneau, normalement, elle dit. En fait, les promos... En fait, c'est promo du week-end. C'est pas une promo où nous, on peut acheter. Donc, par exemple, des comptes... On clique sur un panneau, on peut acheter comment dire, on peut acheter plus cher, moins cher plutôt. Et en fait, la promo du week-end, c'est on peut revendre plus cher que ce qu'il y a tout ici, parce que ici c'est tout le temps constant. C'est par exemple une slime ball, c'est 0,05. Et par exemple, on peut faire une promo avec une slime ball à 0,1 par exemple. Voilà. Et du coup, vous pouvez revendre et vous faire masse thune. C'est pour ça que j'ai pas mal d'argent. Voilà, donc c'est vraiment pratique les promos. Il y a certaines promos comme les briques du Nether où c'est vraiment facile de les avoir. Donc j'ai miné des forteresses et des forteresses pendant des temps pas possible. Et du coup voilà. Après vous avez tout le détail des permissions sur le forum. J'essaierai de vous mettre le lien parce que forum moi je m'y retrouve jamais. Et voilà, du coup bah, je vous dis à la prochaine. Si je n'ai rien oublié, et je vous attends sur ce serveur si vous n'y êtes pas déjà. Allez, ciao tout le monde.